Un an après le début des travaux, le préau situé dans la cour du collège Camille Claudel à Marigné a été inauguré ce lundi 6 novembre. Finalisé cet été, cet abri d'extérieur est passé de 75 à 350 mètres carrés, une surface qui permet désormais aux élèves de s'abriter. C'est quand même plus agréable d'attendre au sec, même si on est toujours au froid, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas la pluie sur nous, pas la neige, parce que voilà, malgré tout, on est en Haute-Savoie, quoi. On était vraiment sous la pluie ou sous la neige. Ou alors, des fois, quand c'était vraiment la grosse tempête, on allait à l'intérieur du collège. Mais avec le bruit et tout ça, c'était pas forcément très agréable. À l'heure du repas, les collégiens devaient patienter sous la pluie dans l'attente d'entrer dans le réfectoire. Désormais, cette file d'attente située entre le hall d'entrée et le restaurant est entièrement abritée. Une structure qui améliore les conditions d'accueil des élèves en cas de mauvais temps, mais également de forte chaleur. Depuis 5 ans, il y a une forte augmentation des effectifs. On est passé de 575 à 628 élèves. Et malheureusement, la structure intérieure du collège n'était plus suffisante pour accueillir les élèves en cas d'intempéries. Donc il nous fallait absolument une structure cette fois-ci extérieure pour pouvoir abriter tous nos élèves, et notamment quand ils se rendent au self, puisque le préau permet d'abriter les élèves qui vont directement au self. C'est un énorme plus dans la vie, ce qu'on appelle nous la vie scolaire, c'est-à-dire toute la vie en dehors des cours. C'est vraiment un plus important. Des travaux de réfection de l'ensemble de la toiture de l'établissement ont également été réalisés pour réparer des importantes fuites et des phénomènes de condensation. Une rénovation qui a été faite en reproduisant à l'identique l'ancienne construction datant de 1993. On va fêter les 30 ans du collège. C'était attendu quasiment depuis le début. Et donc on est très heureux avec Madame Gay, conseillère départementale du canton de Bonneville, d'avoir mis en œuvre la réalisation de ce préau. Avec la rénovation de la toiture, c'est plus d'1,5 million d'euros investis par le département dans le collège de Marigné. Réalisé durant les vacances d'été, les travaux de ce préau n'ont donc pas impacté la scolarité des élèves du collège Camille Claudel.